Là, on est vraiment au maximum de la tempête. On doit avoir des creux qui sont entre 7 et 8 mètres. Parfois, certaines vagues vont faire le double, c'est-à-dire 15 mètres. Le vent est à plus de 110-120 km/h. Les embruns volent de partout, c'est des conditions dantesques. Ici, c'est très particulier à Ouessant, puisqu'on a la croisée entre les eaux de la Manche et les eaux de l'Atlantique qui viennent se croiser ici. Les vagues, du coup, se rencontrent, ce qui peut donner des instants graphiques et esthétiques. Mathieu Riverain est photographe et chasseur de tempêtes. Quand les conditions météo se déchaînent, il sillonne les côtes et les îles de la mer d'Iroise en quête d'images spectaculaires. L'une de ses photos a récemment fait le tour du monde. Mathieu a réussi à capturer dans l'écume une image incroyable. Ce jour-là, la tempête Justine était passée sur les côtes de Bretagne. Sur une digue, un visage est apparu, le visage de Poséidon, que les gens se sont appropriés en fait. Et cette photo a marqué ma vie de photographe jusqu'à présent. Mathieu a fait le voyage jusqu'à Ouessant pour être aux avant-postes de la tempête Eunice. Il va nous faire partager une expérience photographique inédite. Cette fois, Mathieu espère immortaliser l'explosion d'une déferlante sur un phare en mer. Ici, les conditions sont vraiment magnifiées, toutes plus puissantes que ce qu'on trouverait sur la côte. Et c'est ce que je recherche en fait dans les îles, notamment les îles du Ponant ici à Ouessant. Ce sont des conditions plus grosses qu'ailleurs. Et une image faite à Ouessant ne pourrait pas avoir été faite sur le continent, par exemple. Le photographe se dirige vers la pointe de Pernes, à l'extrême ouest de l'île. C'est l'un des sites les plus exposés aux assauts de l'océan Atlantique. Ouais, ça va taper, ça c'est magnifique. Ouh, celle-là. Attention à l'impact. Tac, c'est dans la boîte. Celle-là va être incroyable. Ma quête, en fait, c'est la recherche d'une alchimie entre la lumière, les vagues et un paysage. En fait, c'est une rencontre entre tous ces éléments-là qui vont faire que l'image va parler aux gens, va être spectaculaire. Ce que là, je recherche, c'est d'avoir la vague qui va passer au premier plan, qui va soulever un peu et pour récupérer le bleu du haut de la vague avec le phare de la jument derrière. Magnifique, magnifique. Il y en a une autre qui arrive derrière. Oh, regarde derrière. Il va falloir commencer à reculer. Ça va être dangereux, là. Quand tu commences à voir les paquets comme ça qui passent, ils peuvent très bien venir ici. Ah, c'est des lumières de fin du monde, ça. En plus, ça va parfaitement avec les couleurs du lieu, où les rochers sont noirs. Les contrastes sont saisissants. Située dans l'une des zones maritimes les plus dangereuses du monde, Ouessant a été surnommée l'île Sentinelle en raison des nombreux phares qui la dominent ou l'entourent. Lorsque la lumière commence à baisser à la pointe de Pernes, Mathieu se dirige vers les hautes falaises qui se trouvent au pied du phare du Créache. Les faisceaux de sa lanterne sont visibles à plus de 50 km à la ronde. Être intéressant en photo, c'est de capturer en fait les rayons les faisceaux du phare qui vont éclairer le paysage. Ouessant a toujours quelque chose de différent de vous apporter d'un voyage à un autre. Quand on vient ici en tempête, on doit d'abord braver les éléments sur le bateau, ensuite on ressent le vent en permanence sur l'île, les embruns, on a la figure pleine de sel. Et tout ça fait aussi partie de la magie de la photo, et en tout cas c'est ces émotions que moi je ressens et qui me restent à l'esprit quand je regarderai mes photos plus tard dans quelques années. C'est ces instants, ces moments et ces souvenirs qui me reviendront.